Coucou ma petite licorne, c'est Yannick Ornis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Star Stable Online pour la solution de la première partie des papillons. Beaucoup d'entre vous m'ont réclamé de faire une vidéo sur les emplacements des papillons parce que justement, ils avaient du mal à les trouver. Voilà donc chose faite. Je vous laisse donc avec les emplacements des papillons en accéléré avec une petite musique et on se retrouve juste après pour aller valider la quête avec Linda. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. It won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay. Caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling. Heureux. Donc là, je viens d'aller chercher tous les papillons qu'il y avait à trouver pour l'instant, c'est-à-dire une trentaine. Et du coup, bah, c'est parti, allons valider la quête avec Linda. Il y en a trois à valider. Et du coup, nous allons explorer probablement trois souvenirs de Catherine. Et du coup, nous allons débloquer trois chapitres du livre de Catherine. Compléter un autre souvenir, n'est-ce pas? Il semble logique que Catherine ait eu des liens étroits avec l'écurie Morland. Après tout, cet endroit appartenait aux terres de sa famille. Allons ensemble à Morland et découvrons ce que le passé a à nous dire. C'est ici que tout a commencé, le premier souvenir du journal de Catherine. C'est Thomas Morland? Il a l'air d'avoir l'âge qu'a Justin maintenant. Il a l'air tout aussi gauche. Ça doit être la première rencontre de Catherine et Thomas. On ne dirait pas que Catherine est très intéressée par son futur mari. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre, je suppose. Catherine était vraiment proche de ses chevaux. On peut clairement voir que le don d'Eden était puissant chez elle. Je me demande pourquoi le vieux Jasper n'a plus aucun cheval à sa ferme maintenant. C'est étrange, tu ne trouves pas? On dirait que le vieux Jasper raconte quelque chose à Catherine. Tu crois qu'il vivait ici à l'époque? Cet endroit a autrefois appartenu à la famille Holbrook, comme tu ne le sais que trop bien. D'ailleurs, est-ce que je peux dire le vieux Jasper qu'on est dans le passé? Il a toujours l'air d'un vieux Jasper à mes yeux. Je vais continuer à dire le vieux Jasper. Pourquoi je suis dans un ciel? Ah, merci, le sol l'a chargé. C'est pour ça que des fois on voit des gens en l'air, parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans l'appartement de Linda, mais nous sommes au-dessus en fait. Nous sommes une instance au-dessus. On a découvert que Catherine a grandi à l'endroit qui s'appelle maintenant l'écurie Morland, avant l'arrivée de Thomas. Je me demande si c'est une coïncidence que tu aies commencé ton périple là-bas aussi. Tu devrais continuer à rechercher les souvenirs perdus de Catherine en explorant Jorvik. N'oublie pas que tu peux lire n'importe quelle page du journal de Catherine que l'on a restauré en regardant dans ton propre journal. Lune mystérieuse, éclaire-moi de tes rayons d'argent. Activation de la vue de l'âme. Excuse-moi, parfois j'aime imaginer que je suis une Magic
quel girl dans un animé. Je n'ai pas vraiment besoin de réciter une formule pour utiliser mes pouvoirs, mais ça ne peut pas faire de mal, non? On dirait presque qu'elle parle avec les chevaux sauvages. Je me demande si le lien que Justin partage avec les chevaux est quelque chose qu'il a hérité de sa mère. Regarde, Catherine monte à cru. Je suppose que c'est normal que quelqu'un avec une forte affinité avec Eden soit à l'aise sans selle. Je crois me souvenir que Catherine avait appelé son cheval Nemo. Je me demande si c'était d'après le capitaine du Nautilus ou le petit rêveur de la bande dessinée. Dans les deux cas, elle avait bon goût. L'ermite de la plage y protégeait des assez vieux chevaux à l'époque. Je me demande à quel point Catherine le connaissait. Thomas et lui étaient de vieux amis. Catherine et Thomas avaient tous les deux un lien très fort avec les chevaux sauvages de Sudoven. Je suis sûre que Justin serait ravi de le savoir. J'ai ajouté les pages concernées à ton journal, au cas où tu aurais envie de revisiter ce souvenir en lisant les propres mots de Catherine. On commence petit à petit comprendre qui était vraiment. Belldale a été au centre de tant d'aventures de Soul Rider. Avant, comme après ton arrivée à Jean-Vic Lara, c'était évident que l'endroit serait au centre du passé de Catherine. Je me demande quel souvenir nous allons restaurer ici, maintenant que tu as récupéré tous les morceaux. Qu'est-ce que Catherine est en train de penser en cet instant, tandis qu'elle voit une créature magique comme Fripp pour la première fois? J'espère que Fripp a été plus gentil avec elle qu'il ne l'a été avec toi, mais quelque chose me dit que non. Fripp n'a jamais été du genre poli. C'est... Mais oui, c'est Elisabeth quand elle était jeune fille. J'aimerais tellement lui parler, il y a tant de questions que je n'ai pas pu lui poser quand elle était en vie. Et là, ce doit être une Soul Rider. Quelque chose m'est étrangement familier chez elle. Ses pommettes, ce nez. On dirait Evergrey jeune, avant qu'il soit exilé. C'est étrange, mais le temps qu'il a passé à Pandoria, en plus de le rendre malade, semble l'avoir décoincé. À l'époque, il avait l'air vraiment fanatique. Du coup, cet autre druide doit être Avalon. Je me demande s'il ressemble toujours à ça sous sa capuche. Même si je veux en découvrir plus sur la dernière génération de Soul Rider, la porte de ce souvenir est verrouillée. Nous avons ce qu'il nous faut pour restaurer la page du journal. Retournons dans ma chambre. Cette réunion me rappelle bien trop de souvenirs. Des druides, Fripp et un appel magique. J'ai vécu ça, moi aussi, ma sœur. J'ai ajouté la page entière à ton journal pour que tu puisses lire ce qui s'est passé avec les propres mots de Catherine. Je me demande où la prochaine collection de souvenirs nous mènera. Ensemble, nous avons restauré un tiers du journal de Catherine. Et regarde, une page supplémentaire est apparue sans même qu'on ait besoin de trouver des fragments de ce souvenir. J'ai besoin de me reposer avant de t'aider à retrouver le reste des souvenirs de Catherine. Ne t'inquiète pas, Misty et moi ne bougeons pas. A plus. Ouais, et maintenant faudra attendre jusqu'au mois d'avril pour avoir la suite. Du coup, nous avons les 5 premières pages du journal de Catherine. Alors je serais bien tentée de faire une vidéo type lecture nocturne pour les pages du journal parce que ça pourrait être vraiment intéressant d'en apprendre plus. Par contre, ce qui est sûr, si je le fais, je le ferai pas cette semaine mais plutôt la semaine prochaine. Le temps de rentrer chez moi et de retrouver mon bon micro. Parce que je pensais faire une vidéo lecture un peu cosy, un peu reposante. Et du coup, c'est quand même mieux d'avoir un bon micro pour avoir un son optimal. Voilà mes petites licornes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous et de prochaines aventures. Mouah.